Et salut tout le monde, c'est Chirelle. Comme vous voyez, il y a une petite nouveauté en bas. J'ai mis un joli petit avatar 3D. C'est assez sympa et ça anime le live puisque je ne veux pas vous obliger à vous mettre ma sale tête en cam. Donc on se retrouve sur Dinkum pour un guide astuce tuto. Parce que vous avez été nombreux cet été quand j'étais sur Dinkum à me dire mais comment t'as fait, comment tu fais, comment tu construis comme ça, comment t'as réussi à faire des trucs droit, comment t'as gagné de l'argent, etc., etc. Donc je vous fais cette vidéo pour pouvoir vous aider au départ pour bien commencer votre jeu. Les astuces que moi j'ai utilisées pour avoir fait le tour du jeu, parce que à l'état actuel du jeu, j'ai tout fait, mis à part au niveau du musée, il me manque encore quelques poissons, quelques papillons. On verra ça, je vais vous montrer mon village, je vais vous donner mes astuces, comment en début de jeu, j'ai rapidement gagné de l'argent. Alors évidemment, si vous voulez découvrir par vous-même, ben vous ne regardez pas la vidéo parce que je vais peut-être un petit peu vous spoil. Mais c'est surtout des astuces que je vais vous donner. Ce que j'ai pu trouver dans le jeu, ce que j'ai pu voir dans le jeu, etc. Ce que j'ai acheté, ce que je n'ai pas acheté. Sachant que je joue en solo, le jeu en coop ou multi n'est pas vraiment du multi ni de la coop. C'est de l'entraide comme on voit dans beaucoup de jeux. Chacun a son île. Et donc, ben, vous avez besoin d'aide, votre ami vient vous aider et vice versa, vous allez sur son île pour l'aider, vous pouvez y dormir, y rester quelques jours avec votre sac de couchage ou, attention, vu que le développeur a mis une note sur Steam, il y a quelques jours, il annonce qu'il va rajouter la possibilité que l'on construise des maisons pour nos amis qui viennent sur l'île, donc ça va meubler un petit peu plus le village. Parce que oui, tous les PNJ que vous connaissez pour le moment ne viendront pas habiter dans votre village. Je vous explique tout ça, on va aller en jeu. Alors, ça tombe bien qu'elle soit là, car ici vous avez la coiffeuse, c'est-à-dire, comment s'appelle-t-elle? J'ai avalé le nom. Vous avez, comment elle s'appelle? Vous avez Sally. Sally est le seul PNJ du jeu qui ne viendra jamais, en l'état actuel du jeu, habiter dans votre village. Pourquoi? Parce qu'elle a peur, elle fait grandir son salon, elle vous le dit lors des conversations, elle fait grandir son salon, elle est partie de rien dans la ville, et elle a fait grandir son salon, donc elle ne viendra. C'est pas la peine d'aller claquer de l'argent à vous faire des coiffures, des couleurs, etc., etc., sauf de temps en temps si vous avez un petit peu envie que votre personnage change de tête, mais elle ne viendra jamais habiter dans votre village. Donc si quelques-uns d'entre vous sont sceptiques, allez voir sur le wiki, c'est bien marqué et le développeur l'a bien précisé. Donc ça ne vous empêche pas de monter votre amitié avec elle, mais ne gaspillez pas déjà votre argent à vous faire par jour 3 tonnes de coupe de cheveux ou 3 tonnes de couleurs, parce qu'elle ne viendra pas. C'est la seule PNJ pour le moment qui ne viendra pas habiter dans votre village. Au niveau des PNJ du jeu, comme on peut le voir ici, vous avez Rain, qui est celle qui vous donne les graines pour l'agriculture. Vous avez John, qui est un des premiers à vous rejoindre. C'est lui où vous allez aller acheter et vendre au départ. Ensuite, vous avez Franklin qui est le scientifique qui va vous construire des choses. Donc, vous allez lui demander qu'est-ce qu'il peut vous construire. Il va vous proposer des choses. Ces choses vont demander certains objets, certains crafts. Vous allez lui porter les crafts et vous allez payer la somme qui est demandée. Vous avez Melvin qui est le marchand de meubles. Vous pourrez acheter des meubles et il pourra vous en donner et vous allez en débloquer. Comme ça, vous pourrez faire une maison assez sympa. Vous avez Clover qui n'est autre que celle qui vend les vêtements. Et croyez-moi, on n'en manque pas d'enjeu. Donc elle ne doit pas faire grand bénéfice, je pense. Nous avons évidemment Fletch avec qui vous débutez. Nous avons Irvin qui est le marchand d'animaux, etc. Donc lui, il nous rejoint. Elle, elle ne nous rejoint pas la coiffeuse. Théodore qui est celui du musée. Vous avez le banquier Milburn qui vient un petit peu plus tard dans le jeu, dans la banque. Donc, il faut être un petit peu patient. Et vous avez deux autres PNJ. Ce PNJ-là, qui est Ted Seni, n'est autre que le chasseur qui se balade sur les autres îles. Au bout d'un moment, dans votre jeu, quand vous aurez avancé, vous allez le débloquer.
Donc, ils ne viennent pas dans votre village, c'est en vous baladant. Si vous n'êtes pas très loin de lui, vous allez entendre quelqu'un siffler. Il est assez facile à trouver de nuit parce qu'il a une torche. Et il va vous vendre des items que vous ne trouvez pas et que vous ne pouvez pas vous crafter pour la chasse. Ça peut être des arcs, ça peut être des flèches, ça peut être la pelle cloutée qui fait énormément de dégâts. Et comme Franklin, ça fonctionne pareil. Vous allez lui dire, voilà, qu'est-ce que tu peux me fabriquer? Et il va vous dire, voilà, je peux vous fabriquer ça. Vous allez cocher pour pouvoir ramener ce qu'il lui faut. Et vous payerez comme pour Franklin quand vous lui commandez quelque chose. Ensuite, vous avez le dernier PNJ actuel dans le jeu, c'est Jimmy. Il apparaît qu'à une seule condition, c'est que vous ayez 1 000 000 à la banque. Donc déjà, tant que vous n'avez pas la banque, vous ne le verrez pas. Et même si vous avez la banque, si vous n'avez pas 1 000 000, vous ne pourrez pas aller le voir. Ce qui est dommage, parce que c'est un PNJ relativement avantageux, contrairement à John, qui nous vole un petit peu, je vais être honnête. Ce PNJ va vous racheter des éléments par 50. C'est-à-dire par exemple 50 pommes, 50 bananes, peu importe. Tous les items par 50, sauf ceux que vous portez sur la tête, évidemment. Vous allez sur son bateau. Quand vous affichez la map, c'est quand il apparaît quand il pleut. Quand vous avez le million, je le répète, à la banque. Et vous pourrez afficher votre map. Vous regarderez votre map et vous verrez un point d'interrogation. Peu importe où, ce sera lui. Vous vous y rendez avec dans votre inventaire tout ce que vous avez préparé par 50 et vous lui vendez. Il vous achète tout le double de John. Donc, c'est plus rentable. Mais au début, allez voir John. Autre petite astuce quand vous débutez évidemment avec Fletch, qui est la mère du village, qu'on peut voir ici. Chose importante qu'il faut que vous regardiez assez souvent, c'est le petit livre qui est sur le bureau. Pourquoi? Parce qu'il va vous donner des informations sur le bonheur de vos villageois, enfin de vos PNJ, l'état de votre ville, ce que vous avez à améliorer, etc. Donc en haut, vous avez le nombre d'étoiles, votre score. Donc moi, je suis à 5. Je vous dis, à l'état actuel du jeu, mis à part quelques poissons et quelques petits trucs, des bugs, des papillons, des crustacés qui me manquent, j'ai fait le tour du jeu. Donc je suis plus à Terraform pour préparer ce qu'a annoncé le développeur du fait qu'on va pouvoir construire d'autres maisons pour les amis qui vont venir. Je suis en train plus de me concentrer sur le Terraform, puisque là, mis à part les quêtes du tableau que je fais à peu près tous les jours, je me penche plus sur les quêtes en bas. Celui du bateau va vous proposer des objets un petit peu inédits aussi en vente, mais qui ne s'achèteront pas, non pas avec l'argent, mais avec les petits tickets bleus que vous voyez en haut. Donc vous pourrez, il va vous présenter, donc vérifiez régulièrement ce livre. Pourquoi? Parce que vous avez toutes les infos. Le bonheur de vos habitants à gauche, les constructions, la beauté, l'état du musée, les économies. Alors normal que moi je suis à 307 puisque j'ai 3 millions à la banque. Et les licences que j'ai tout débloqué. Voilà, donc vérifiez ça et essayez de monter les choses. Après c'est une question d'organisation et de planning je dirais. Donc quand vous débutez avec Fletch. Rappelez-vous, vous débutez avec Fletch. Ici, à peu près, toujours la même chose, hein, c'est à peu près les mêmes maps. Vous ne pouvez pas toujours au même endroit, mais vous débutez ici où il y a le dock. C'est pas parce que le dock est ici que vous êtes obligé d'y rester. Le dock, il peut vous mettre n'importe où sur la carte, bon, près de la mer évidemment, puisque c'est un ponton. Mais là, le terrain, il était peut-être pourri, donc j'y suis pas resté. Tant que vous n'avez pas posé la première tente qui va correspondre après à la mairie qui appartient à Fletch, votre temps ne commence pas, le temps ne découle pas. Donc prenez votre temps, regardez où c'est que vous allez vous mettre. Alors, sur la map, au début, vous ne les voyez pas, mais vous avez 4 tours. Une au nord, une au sud, une à l'est, ici, et une à l'ouest, là. Elles y sont obligatoirement. Ces 4 tours, au début, vous ne les voyez pas. Votre but, ça va être de les chercher. Prenez votre temps, calculez bien comment vous allez faire votre village. Parce que sinon, après, vous allez être obligé de bouger les choses non-stop. Et bouger les choses, ça met une dette que vous allez devoir payer. Alors, bien sûr que de toute façon, vous allez le faire parce que votre village est constamment en évolution. Donc, essayez de calculer tout ça. Donc, ce n'est pas parce que le dock est là, quel que soit l'endroit. Regardez autour de vous ce que vous avez. Si vous n'avez pas, par exemple, à côté de vous, un nid de kangourou, un nid de chien du désert,
ou autre, parce que avec vos animaux, ça va mal se passer et ils seront dans votre village tous les jours. Ou trop de crocos, ou voilà. Essayez de regarder un petit peu, essayez de trouver un coin plat. Moi, je me suis mis ici en bas parce que le terrain me convenait et j'ai évidemment tout terraformé. Donc ça, c'est la première chose. Prenez votre temps au début. Tant qu'on n'avait pas posé la tente de Fletch, le temps ne sera pas décompté. Donc vous avez largement le temps d'essayer de regarder, de vous balader. Une fois que vous aurez trouvé ces tours, vous allez me dire à quoi ça sert. Tout simplement, il va falloir les réparer. Chaque tour va vous demander certains crafts. C'est surtout ce qu'on trouve dans les trésors en fouillant un petit peu. Donc, il va falloir les réparer, tout simplement parce que ben, ce sont des téléportes. Quand vous les aurez réparés, tout simplement, ce que vous pourrez faire, ben, vous pourrez vous téléporter du sud au nord, de l'ouest à l'est. Et je peux vous dire que c'est très avantageux, c'est un gain de temps plutôt que partir à pied. La journée passe très vite dans Dinkum. Au bout d'un moment, dans le village, de toute façon, vous aurez une cinquième tour qui vous sera proposée par Fletch. N'hésitez pas à la faire et à la placer au centre de votre map. Comme ça, vous touchez tout très vite si vous n'avez pas encore ni l'hélipad, ni le bateau, ni le jet ski. La première des choses que je vous conseillerais une fois que vous avez posé vos deux tentes, c'est de vous consacrer, et vous allez gagner énormément d'argent, vous ferez le test, de construire un verger avec des pommes, des bananes, des fruits de cactus, des fruits verts et des fruits bleus. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous ferez l'expérience, essayez de vendre à John une pomme crue et une pomme cuite, vous allez voir la différence de prix. La pomme crue se vend deux fois moins cher que la pomme cuite. Alors oui, vous allez peut-être perdre un petit peu de temps à tout faire cuire, mais c'est pas gênant, vous avez le temps. C'est un jeu où il faut prendre son temps. C'est un jeu où il faut calculer comment on va organiser ça, puis vous allez casser, puis vous allez déplacer, puis vous allez redéplacer selon les PNJ qui arrivent, etc. Donc c'est un jeu où il faut prendre son temps. Donc tant pis si vous perdez une journée à faire cuire 50 pommes, qu'est-ce que vous allez gagner? Ben, le double d'argent. Et le problème dans ce jeu, c'est l'argent au départ pour pouvoir vous acheter les choses. Ça, c'est la première chose. Autre petite astuce que je vous donnerai, c'est de vous faire un maximum de petites cages en bois comme ça, tant que vous n'avez pas débloqué cela en fer. Ben, faites-vous 5-6 cages comme ça, et une journée, vous prévoyez d'aller capturer soit des devils, les bêtes noires qui crachent du feu, soit les crocos. Les devils, quand vous allez en capturer un, le lendemain, vous aurez 12 000 dans la boîte aux lettres et 9 000 et quelques pour le croco. Quand vous en envoyez 5, des villes, ça fait pas mal d'argent quand même, hein? Donc, n'hésitez pas, pour pouvoir les mettre dans la cage, c'est simple, vous posez votre cage au sol, vous prenez de la viande sur vous, et vous, une fois que vous avez posé votre cage au sol, vous les tapez pour pouvoir les garder dans la cage, sinon ils vont s'échapper de la cage. Il faut leur avoir enlevé les 3/4 de vie. Si vous ne leur enlevez pas les 3/4 de vie, ils vont sauter de la cage. Donc, n'hésitez pas, vous les tapez, vous les tapez. Et quand vous voyez qu'il reste un petit peu de vie, vous courez vite vers votre cage et vous les attrapez. Ils vont aller dedans, vous le prenez, pick-up, et vous l'amenez là où on le téléporte. C'est une autre manière de vite gagner de l'argent dès le départ. Autre chose aussi pour gagner quand vous avez des animaux, ne gardez pas vos animaux sentants, ça ne sert à rien même si c'est choupinou et mignon. Vous verrez que dans les animaux, il faut les câliner tous les matins. Alors dans la mine, vous pouvez trouver la guitare. La guitare, elle sert à quoi? Tout simplement, au lieu de perdre 2-3 minutes à caresser chaque poule, surtout si vous en avez 10, etc. Vous jouez de la guitare, ça caresse tout le monde en même temps, en fait. Voilà, tout le monde est content d'un seul coup, donc vous perdez moins de temps. La chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est dès que vous avez tous les cœurs de vos poules qui sont à fond, revendez-les, regardez le prix auquel vous les achetez et regardez le prix quand elles ont tout leur cœur, revendez-les et vous rachetez un petit poussin ou une petite crêpe, comme moi je l'appelle, ceux qui vivent là-dedans, ou tout simplement pareil pour eux là. Et c'est ceux-là qui revendent les plus chers quand tous les cœurs sont à fond. Donc n'hésitez pas à checker assez souvent où c'est qu'ils en sont. De toute façon, vous avez tout ici quand vous allez dans le. Dans le bouquin, vous avez les animaux ici. Vous cliquez sur vos poules. Moi, j'ai tout vendu parce que là, je suis vraiment sur le terraform puisque je n'ai pas plus grand-chose à faire dans le jeu en attendant. Donc,
vous cliquez sur vos poules, vous regardez leur nombre de cœurs. Tant que c'est pas plein, ne les vendez pas. Vous regardez qu'elles aient mangé, qu'elles aient été caressées et qu'elles aient pondu. Pareil pour les autres. Et vous les vendez. Vous allez gagner un max d'argent. Autre chose que vous pouvez faire dès que vous avez aussi la banque, vous pouvez tout simplement mettre par exemple 100, 200, 500 selon l'argent que vous avez. Et ça va vous faire des intérêts. Au bout d'une semaine, il y aura plus de 200, il y aura peut-être 250, 300, mais ça vous fait des intérêts. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu d'argent dans la banque. Vous pouvez le retirer comme vous, quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Pareil, quand vous trouvez des œufs au printemps, vous allez au Tropink là-haut, ici. Vous prenez une petite journée. Vous mettez un petit icône ici pour dire, ah ben là, il y a des œufs, là, il y en a, là, il y en a. Et vous prenez une ou deux journées, tant que c'est le printemps, pour vous ramener un maximum d'œufs et vous allez les vendre à John tant que vous n'avez pas l'autre PNJ. Et vous allez voir que vous allez gagner aussi pas mal d'argent. Autre petite astuce que je peux vous donner pour vous faciliter la vie, c'est de créer un petit coin comme ça. Pourquoi? Parce que si vous remarquez, au niveau des PNJ, quand vous leur demandez un boulot, c'est soit ils veulent un vêtement, soit ils veulent faire des échanges de vêtements, soit ils veulent de la nourriture, ils ont faim, soit ils veulent des meubles, soit ils veulent des animaux. Au lieu de vous embêter à attendre et devoir aller courir, faites-vous un petit coin comme ça où vous stockez les papillons, vous n'avez pas besoin d'en avoir 10 000, hein. Mais stockez un petit peu de chaque, comme ça vous êtes sûr que vous l'avez. Donc vous lui dites oui, vous venez ici, vous le prenez, vous n'avez pas besoin d'aller courir partout pour pouvoir tout simplement aller le chercher et rater la quête qui peut, comme le précise le développeur, si vous acceptez une quête et que vous ne la réalisez pas, ça perd un petit peu de cœur d'amitié avec eux. Autre chose que je peux vous dire, au niveau de votre village, ne mettez pas vos plantations trop loin. Pourquoi? Parce que les PNJ ont un range. Et ce range, si vous mettez sur la map les champs trop loin tant que vous n'avez pas l'irrigation automatique, ils ne vont pas venir arroser vos champs. Donc essayez de mettre vos champs assez près, quitte à les bouger après. Surtout si vous êtes en solo, vous mettrez l'arrosage automatique et vous n'aurez plus le problème. Autre chose à faire, enfin, autre chose que je vais plutôt rectifier, qui a été dit et qui est complètement faux, il a été dit qu'on ne pouvait pas faire des îles carrées et qu'on était embêté avec les petites barrières parce qu'on ne pouvait pas les mettre droites et qu'on faisait des zigzags comme ça en suivant les îles, comme par exemple ici de l'autre côté. Si je n'avais pas terraformé et que je laissais tel quel au niveau du sol ici, j'aurais placé une barrière là, puis une barrière là. Alors oui, ça fait des zigzags. Non, vous pouvez faire tout à fait quelque chose de carré. Ça prend un peu plus de temps. Il suffit un petit peu d'être créatif. Tout est possible dans ce jeu. Hein. Vous pouvez tout bouger, tout changer. Moi, pour faire ça, il a fallu que je retravaille un petit peu l'île d'en face. Parce que sinon, ça venait trop près. Mais regardez, je suis carré. Hop, je me casse la gueule dans l'eau, mais je suis carré. Il n'y a pas de zigzag. Tout est carré. Ici, je l'ai retravaillé un petit peu aussi, sinon ça touchait. Voilà, mais c'est carré. C'est pas un zigzag comme ça a été dit. Vous pouvez tout à fait faire une ligne carrée, la retravailler. Donc, n'hésitez pas à prendre votre temps. N'oubliez pas non plus, et je vous le dis parce que ça va vous permettre de gagner de l'argent et du temps, de vous faire aussi un espèce d'endroit avec des palmiers, des graines de palmiers que vous aurez récupérées, du bois dur, le premier bois dur, le deuxième bois dur, c'est pas les mêmes. Donc voilà, faites-vous une lignée comme ça de chaque, et comme ça vous avez non seulement le bois à proximité, mais vous avez plus de chances d'avoir du fait qu'il soit collé comme ça. Bon, chaque fois que je les tape, que je les coupe et qu'après je replante, j'ai 7 à 8 ruches qui tombent. Donc, n'hésitez pas à le faire. Après, au niveau de... qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau aussi, ici, vous voyez ces plantes-là, les rouges et les jaunes. N'oubliez pas de vous faire un champ aussi. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous faire des bouteilles avec le tonneau, les jaunes qui vont vous redonner de la stamina et les rouges qui vont vous redonner de la vie. Donc, n'hésitez pas à faire ça. N'hésitez pas non plus... Si par exemple vous n'avez pas énormément de champs,
si vous n'avez plus rien, mais par contre que dans votre coffre, vous avez du maïs, vous mettez un maïs dans votre moulin, ça fait 10 nourritures pour animaux. 10 sacs de nourriture pour animaux. Donc c'est rentable, plantez du maïs, vous les stockez là, vous les faites, et ça va vous monter, même si vous n'avez pas de champ, ça va vous monter parce que vous n'avez pas assez d'argent pour acheter d'autres cultures, etc. Ça va vous monter votre niveau d'agriculture. Autre chose aussi, vous avez des quêtes sur le tableau qui vous demandent assez souvent de capturer un crocato machin ou un cacato machin. Ce sont ces perroquets blancs. Donc pour les attraper, vous mettez une caisse à un endroit ouverte avec de la nourriture pour animaux que vous mettez pour vos poules, etc. Vous la laissez ouverte, vous vous éloignez et il va y venir dedans. Il est pris au piège automatiquement tout seul. Pareil pour l'autruche ici, le bébé autruche. C'est une des quêtes les plus demandées. Et il est aussi souvent demandé que vous capturiez un kangourou brun. Donc c'est les plus foncés. Vous faites pareil. Nourriture pour animaux ou viande. Et vous allez les capturer, vous les ramenez. Et vous les envoyez quand la quête est demandée. Ça vous avancera de les avoir. Et pareil pour les dindons, etc. C'est vous qui voyez. Pour les petites statues comme ça. La première, ça a été un PNJ qui me l'a donné. Les autres, c'est sur le PNJ du bateau. Que j'ai pu avoir la statue des Devils, une autre statue de kangourou, etc. Et ça ne s'achète pas, comme je vous le dis, avec l'argent, mais avec les points de licence que vous avez ici. Ça s'achète avec ceci et non pas avec de l'argent, et c'est pas excessif. Après, que puis-je vous dire d'autre? Ben, y a du boulot, vous pouvez être informé, hein, moi je suis en plein dedans. Toujours en attente, je vous le dis, de ce que va mettre en place le développeur là pour mettre les autres maisons. Donc j'essaye de planifier un peu comment je vais faire ça. Ici, j'ai vraiment tout terraformé. J'ai mis ma maison, j'ai débloqué le style chinois. Donc je fais ma maison en chinois. Sauf ici au niveau de la cuisine, pour le moment, j'ai pas débloqué. Donc c'est une cuisine normale. Il y en a que j'ai pas encore débloqué. Je vous conseille aussi de mettre de côté à un endroit, par exemple, sur votre... sur votre coin à vous, hein, de vous mettre une commode dans un coin. Pourquoi? Parce qu'elle a des rangements dedans. Ça peut vous faciliter la vie. Moi, j'ai mis les meubles là. C'est le coin, je l'appelle le coin Ikea. Et ici, ben, pareil, j'ai mis dans la commode des habits. Il y en a dans les coffres aussi. Mais pour le moment, voilà. Et j'ai gardé de côté des meubles chinois pour mettre dans la maison si besoin. Donc ça, à voir. J'ai aussi gardé des tenues pour Fredo. Donc là, c'est à vous de voir. Ensuite, pas besoin quand vous êtes en solo d'avoir 70 millions de machines. Ça ne sert à rien, honnêtement. Donc vous prenez 3-4 selon l'argent que vous avez, 3-4 fours. Moi, j'ai qu'une table de bois, ça me suffit amplement. J'ai pris... un autre truc pour broyer, mais bon, vous voyez, ça ne me fait pas gagner du temps. Je fais clic-clap, clic-clap. Bon, ça va un petit peu plus vite, mais pas plus que ça. Deux barbecues, parce que quand je fais cuire, ben, évidemment, comme je vous ai dit, je fais cuire 150, admettons, pommes. Ben, hop, 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 ça va beaucoup plus vite. Et ici, quand vous avez, ce que je vous conseillerais, quand vous avez les lipad et que vous allez aller vendre, ben, à, non pas à John, mais à l'autre PNJ, ici, je me suis mis un coffre, excusez-moi, où je mets par 50 les trucs comme ça. Quand il pleut, ben, tout simplement, j'ai plus qu'à prendre tout ce que j'ai là-dedans. Je prends les lipades, je mets derrière un œuf ou une pépite ou un rubis et je m'en vais lui vendre et c'est bingo. Donc voilà. Après, au niveau de ce que vous vend Franklin, je vous dirai, j'ai pas tout acheté. La moto ne m'intéresse pas, j'en vois pas l'intérêt puisque je suis en solo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai tout acheté sauf la moto et le tracteur, puisque le tracteur, j'ai pas des champs qui nécessitent d'avoir le tracteur qui demande de grandes superficies. C'est plus dans le mode entraide qu'on le trouve et qu'il est beaucoup plus utile. Autre petite astuce aussi pour gagner du temps, n'hésitez pas à mettre un coffre ici et mettez dedans les clés. Dès que vous pouvez, faites-vous le jackhammer pour aller dans la mine. Pourquoi? Parce que ben, ça va vachement vous aider. C'était beaucoup plus rapide qu'avec votre petite pioche. Et n'oubliez pas, quand vous allez dans la mine, je vous dis ça parce que je l'ai oublié le premier coup, le pass, il coûte 25 000.
et il est valable qu'une seule journée. Donc, vous avez intérêt à l'amortir. N'oubliez pas les clés. Si vous trouvez une salle secrète avec des cadeaux dedans et que vous avez oublié vos clés, vous allez faire comme moi, vous allez dire, zut, quelle cruche, j'ai oublié les clés. Ben, tant pis, hein, on va continuer la mine, mais sans ouvrir les salles secrètes. Mais quand vous remontez à la surface, la mine en dessous, elle change, c'est plus la même. Donc, même si vous redescendez dans la foulée, ben, ce sera plus placé comme c'était, donc vous ne retrouverez pas les choses. Les petites carrières qui sont là, je vous conseille de les mettre près de la mine. Pourquoi? J'ai testé de les mettre ailleurs et j'avais beaucoup moins de loot qui popait loin de la mine que lorsqu'elles sont à côté. Donc ça aussi, essayez de les mettre à côté. Essayez d'investir là-dedans, c'est super rentable. Il n'y a même plus des fois, par moment, ça fait un moment que je ne suis pas descendue dans la mine, il n'y a même plus besoin d'aller dans la mine. Les fossiles, on les trouve dans les cailloux. Les seules choses qu'on ne trouve pas, évidemment, c'est les rubis. Mais aller payer 25 000 pour simplement ramener des rubis, croyez-moi que vous avez d'autres moyens de gagner de l'argent et très vite. Après, vous gérez votre jeu, bien entendu, comme vous voulez. Mais comme vous m'avez demandé de vous faire une vidéo pour savoir comment j'avais fait, ben voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à terraformer correct, de prévisualiser comment vous allez organiser votre ville, de prendre le temps de faire vos terraformes. Il y a une petite astuce aussi au niveau de la construction. Quand vous avez un pylône comme ça, que vous avez mis deux tas de sable, vous mettez en haut et vous choisissez ce que vous voulez mettre comme texture et ça prend tout le pylône entier, que ce soit sur 10 de hauteur, 15 de hauteur ou 2, peu importe. Vous pouvez aussi, au niveau créativité, utiliser un pont que vous placez par exemple en hauteur, qui va rejoindre l'autre hauteur ici. D'accord? Et vous allez me dire, ça sert à quoi? Mais ça peut vous servir de toit. Donc vous pouvez faire des choses avec, il suffit un peu d'imagination. Quand vous avez placé votre toit sur deux de hauteur, admettons là, vous mettez ici deux autres cubes, ça cache le premier angle du pont et ça vous permet de faire des toits. Voilà, tout simplement. Comme j'ai fait pour la mine, j'ai pas mis le pont, mais je l'ai caché parce que je la trouvais pas très très. Hop, je vais faire un tour de la piscine. Je la trouvais pas très jolie comme ça. Donc j'ai préféré faire plus réaliste, mais après chacun fait son jeu comme il entend. Voilà, je l'ai mis avec du ciment, vous voyez. Je pourrais peut-être en mettre dessus, il faudra que je teste. Je ne sais pas si on peut le faire. Et vous voyez, je l'ai entouré de ciment. Je trouve que ça fait plus RP, mais ça c'est mon point de vue. Comme vous voyez ici, je suis en train de complètement terraformer. Je vais supprimer tout ça là, tout ce que vous voyez là. Et ça se fait pendant 5 minutes. Parce que c'est pas la peine quand on est en solo d'avoir une île immense, croyez-moi, ça sert pas à grand-chose. Donc après, à vous de décorer et de monter votre décoration en allant voir régulièrement chez Fetch où vous en êtes. Au niveau des licences, essayez de monter vos licences de Ming pour vos outils, etc., etc. Montez en dernier les véhicules, mis à part le bateau en bois que vous aurez besoin. Attendez un petit peu, puis allez voir souvent Franklin. Essayez de voir avec lui ce qui vous intéresse le plus. Et quand vous êtes en dette, parce qu'un villageois vient d'habiter, etc., attendez un petit peu parce que les PNJ vont vous aider à payer. Donc attendez un peu, vous n'êtes pas pressé tant qu'un autre PNJ ne se pointe pas. Et laissez-les payer un petit peu aussi, hein, parce qu'on en donne assez de l'argent. Donc au niveau créativité, ben, là, libre cours à vous. Hein, moi, là, j'ai été réformé. Ici, j'ai fait une petite piscine. Les PNJ, de temps en temps, viennent ici. Ils vont pas se baigner, hein, mais nous, on peut y aller si on veut. Hein. J'ai deux, trois poissons qui ont survécu dedans. Il faudra que je les pêche. Et là, je suis en train vraiment de tout terraformer parce que j'avais mis aussi Franklin, qui a une maison sur pilotis. Je trouvais sympa de le mettre plus sur le sable. Donc, j'avais mis un pont ici et je l'avais mis ici. Le problème étant, c'est qu'avec le ranch qu'ils ont, il n'allait plus du tout au centre-ville. Donc, j'ai rebouché là-bas. J'ai laissé le pont comme ça en déco. Et là, je suis en train, vous voyez, de creuser partout pour que ce soit égal. Parce que je suis un petit peu maniaque au niveau du build. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez. Et ici, je l'ai mis là, Franklin, un petit peu en recul. Avec de l'eau devant, un petit pont. Et derrière, je suis en train de terraformer pour que ce soit plat. Parce qu'avec le jet ski, sinon, ben, on se prend les bouts de sable que vous voyez là, ou les cailloux.
Et franchement, des fois, on est un petit peu bloqué, on est des fois obligé de le pick-up pour pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est des petites astuces. Ensuite, il y a aussi ceci que vous donne John au bout d'un moment. N'hésitez pas tous les jours, vous voyez, il y a un t-shirt, vous le prenez, vous vous en foutez, vous allez le revendre. Ça vous fait de l'argent, ne l'oubliez pas. Tout ce que vous portez sur votre tête, vous pouvez le vendre. Vous le vendez chez John sur la droite. Là, je ne peux pas y rentrer, c'est fermé. Mais sur la droite, vous avez un pèse-personne, j'appelle ça, ou un truc, vous verrez, un petit truc vert. Tout ce que vous portez sur la tête, ça se vend. Ce n'est pas de la déco, comme m'a dit Fredo hier. Ce n'est pas de la déco. Simplement, tout ce que vous portez sur la tête, vous le vendez à John ici. Et après, ben, vous le vendrez à celui qui a le bateau. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça, c'est des astuces. Vraiment, avec le verger, vous allez gagner de l'argent très rapidement en vendant vos animaux et en vous faisant plusieurs cages au départ. Vous verrez, vous allez gagner énormément d'argent. Écoutez, il fait nuit, donc je pense qu'on va rester là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai sans aucun problème. J'essaierai de vous dire par rapport à ce que moi j'ai fait dans le jeu, ce que j'ai vu dans le jeu, etc. J'hésiterai pas à vous répondre. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée. On se retrouve pour la suite des let's play. De nouveaux let's play, comme vous avez pu voir, il y a de nouveaux jeux. Il y en a d'autres encore qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez aussi me retrouver en live sur Twitch si vous voulez venir discuter avec moi. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous aura aidé. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Vous savez que je vous réponds tout le temps. Allez, bye bye!